Oh, regardez, on dirait Charlie le chien. Mais oui. Bonjour Charlie. Comment Ta niche a disparu Sa niche C'est étrange. D'habitude, Charlie retrouve toutes les choses dont le nom contient le son ch comme charrette ou niche, justement. Charlie, nous allons chercher avec toi. C'est touchant, ce chien qui ne retrouve pas sa niche, n'est-ce pas, décibelle Oh, il lui faudrait quelque chose pour passer de l'autre côté. vous savez je connais Charlie depuis qu'il est chiot. Un jour, il a retrouvé un cochon. Ch sono. Qui... Vous chuchotez alors que nous cherchons sa niche. Désolé. Bon, vidéo. Donnez un pont à Charlie. Non, non, Sono. Il faut probablement un son en ch. Vidéo, donnez-lui une planche pour franchir la rivière Oh oui Planche contient le son ch, mais vous auriez pu aussi dire cachalot ou chalutier Ou, ou chipolata si ça vous chante, Sono Vous chipotez Concentrez-vous un petit peu, je crois qu'on approche oh, Mais on se croirait chez un marchand de niche Où est celle de Charlie Sûrement cachée parmi les autres Cherchez bien, son nom doit être écrit dessus et pour écrire Charlie, il faut les lettres C et H. Les deux lettres qui quand elles sont groupées font le son ch. Vidéo. Trouvez-nous les lettres C et H, voulez-vous Là, sous la flèche. Oui, C et H font ch comme dans Charlie et dans niche. De rien Charlie. Je suis enchantée que tu puisses enfin te coucher. Des chaussures, des chaussettes et un chapeau. Comme c'est charmant Charlie nous remercie avec des objets dont le nom contient le son « ch » qu'il a déniché dans les champs. Merci, Charlie Oh, quel beau chapeau Vous savez, Decibel, ça me rappelle Michel le chameau qui avait perdu son chimpanzé en peluche et... Ah, 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 justement, c'est Michel. Je crois que vous avez son chapeau, Sono. Oh. Euh, Michel Michel, laissez-moi vous expliquer...